La paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, c'est aussi l'implication des politiques. Le Front commun pour le Congo veut jouer sa partition. Cette volonté manifeste est de Néhémie Mulanya, de passage à Goma. Il a annoncé la descente imminente à Beni d'une délégation du Front commun pour le Congo. Une occasion de saluer le leadership du gouverneur du Nord qui vaut dans la lutte contre l'insécurité et la maladie à virus Ebola. Au pied d'avion, le coordonnateur national du Front commun pour le Congo, honorable Néhémie Mulanya, a été accueilli par plusieurs hauts cadres et militants de cette plateforme chère à Joseph Kabila Kabange, avec en tête le gouverneur Karl Nzanzu Kasivita. Néhémie Mulanya, de passage à Goma pour le Sud Kivu, affirme qu'une forte délégation du Front commun pour le Congo fera une descente à Beni, réconforter les populations victimes d'atrocités des ADF, car, dit-il, l'autorité morale de cette plateforme tient beaucoup sur la sécurité dans la région de Beni. J'ai prévu tourner dans la province du Nord Kivu qui nous conduira de Goma à Beni et Butembo avec une grande délégation du Front commun pour le Congo. Et la raison évidemment sera simple, ce sera pour venir apporter la compassion de notre autorité morale, le président honoré Joseph Kabila, à la population du Nord Kivu. Compassion par rapport évidemment à aux conséquences, évidemment, de cette guerre asymétrique qui défonnait la province de la part des ADF, mais également par rapport à cette grave épidémie d'Ebola. La population du Nord Kivu peut se rassurer que le président Kabila a quitté le pouvoir, mais son cœur n'a jamais quitté cette province. Le coordonnateur du FCC rend les hommages mérités au gouvernement provincial du Nord Kivu à travers le gouverneur Karl Nzanzu Kasivita pour son implication dans la lutte contre la ravageuse maladie d'Ebola. J'en profite d'ailleurs pour féliciter l'autorité provinciale, le gouverneur, son gouvernement et toutes les institutions de la province qui ont travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement central pour arriver à bout de cette épreuve.